Salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos, on se retrouve pour la suite de l'épopée sur FF14. J'ai vu où on en était, j'ai un peu regardé où on en était par rapport aux quêtes. On est grosso merdo au milieu des quêtes qui sont sur la base de données. Donc en fait, on est à peu près à 50% de la chronologie qu'on est en train de faire. Donc voilà. Ah tiens, tu tombes bien, je voulais justement te toucher un mot. Bah tu touches rien du tout. Au sujet de zéro de QI. Tu te rappelles, elle a dit qu'elle serait disposée à nous assister dans notre quête pour peu qu'elle soit convenablement rétribuée dans les terres. C'est d'ailleurs pourquoi notre accueil a débuté par un mot en pas. Depuis que nous lui avons fait juste le couvert, en veillant à ce qu'elle se sente rattrapée en toutes circonstances, bien qu'elle affirme aujourd'hui être complètement repue. Autrement dit, nous allons enfin pouvoir repartir pour le néant, si tout le monde est prêt bien entendu. Je vais de ce pas échanger ce corps contre sa version adulte. Je préviens derrière, je te l'ai destiné par la même occasion. Au côté, pourrais-tu aller chercher Zéro? Elle n'était pas dans sa chambre quand je suis passé devant. J'imagine qu'elle est Strom, n'est peut-être pas la passerelle qui relie le Yuge au Kama. J'ai l'habitude de s'y rendre pour admirer la ville. Nous nous réunirons ici pour le grand départ. A tout à l'heure. Et à Zéro. Where the fuck are you? Ouais, t'es à Péta ou Schnock, hein. Elle est sur le pont, donc du coup il faut aller là. Pas que je le fasse savoir. Alors, dis-moi tout. Aujourd'hui comme hier, tous ces gens mènent une existence bien nonchalante. T'es pas jaloux, hein. Ils sont sans défense, ces Sifrels. Certains monstres que je connais pourraient les broyer d'une main. Et pourtant, regarde-les. Oui, enfin, ils ont affronté il y a eu les monstres d'Apocalypse, t'inquiète. Hein. Ces scènes de joie innocente n'existent plus dans mon monde. Là-bas, il n'y a ni rêve, ni espoir. Ni même la délivrance de la mort. Tout est réduit à cette pulsion qui nous pousse à nous entre-dévorer inlassablement. Tout. Y compris nos relations à autrui. À nos yeux, il n'y a que deux catégories d'individus. Ceux qui peuvent nous aider à étancher notre soif des terres, et les autres. De même, si mes semblables nouent des pactes avec des humains, s'ils viennent dans ce monde où la vie se déploie puis s'éteint, c'est généralement pour échapper à la famine, ou à défaut, pour y trouver la mort. Ah. J'ai toujours considéré ce paradigme comme une évidence. Et d'autant plus après avoir fait la connaissance de Zenos. Oui, enfin, Zenos, c'est pas vraiment un exemple. Daniel avait un comportement digne de créatures du néant. Ils se servaient ouvertement l'un de l'autre afin d'accomplir chacun leur propre dessein. En revanche, dès que Zenos se retrouvait face à toi, il semblait soudain animé par une toute autre motivation, que je n'ai jamais vraiment réussi à cerner. Quel sentiment pouvait donc l'habiter pour qu'il agisse de la sorte? Pour qu'il achève sa vie sur cette étrange note? Je ferais bien d'arrêter de me torturer les méninges. En plus, le simple fait de repenser à son air sadique me donne la chair de poule. C'est Zeno s'il faisait trembler les créatures du néant. Bienvenue pour m'écouter soliloquer. Ah, vraiment, ça? Alors ça y est, vous allez retourner dans mon monde. Dans ce cas, conformément à notre accord, je vous accompagne.
Et je suis planté en plein milieu. Du truc comme d'hab. Allez, on va retourner à l'éthérite et on va se TP au palais. Personne ne manque à l'appel, on dirait. Dans ce cas, il est temps de retourner dans le néant, là où Ashdaya m'attend. Eh bien alors, tu ne nous suis pas ? Ce rugissement, c'est Evritra. Et enfin, que se passe-t-il ? C'est plutôt à nous de vous poser cette question. Votre rugissement à l'instant. Vous avez utilisé la magie pour en augmenter la portée, n'est-ce pas ? À qui vous adressiez-vous ? Je ne l'ai perçu qu'un court instant. Mais je l'ai tout de suite reconnu. C'était la signature éthérée d'Ashdaya. Elle n'est pas censée être dans le néant ? Si, d'où ma surprise. En tout cas, il s'agissait bien de son aura. Il n'y a aucun doute là-dessus. It's a trap. Je me suis empressé de rugir pour attirer son attention. Mais sa présence n'était déjà plus palpable. Vous voulez dire qu'elle serait repartie aussi vite qu'elle est arrivée ? Je n'en sais rien. Était-ce vraiment elle en chair et en os ? Si oui, je me demande bien par quel biais elle a traversé les dimensions. Ça n'a pas tant d'importance. En revanche, si elle est vraiment réapparue dans le monde primitif, alors elle a forcément laissé des traces qui pourraient nous aider à la retrouver. Sa signature éthérée. D'où provenait-elle ? Eh bien, de très loin, au nord d'ici. Du nord, hein ? Dans ce cas, peut-être que nos amis à Garlemald pourraient nous renseigner. Oui, rendons leur visite dès que possible. Avec un peu de chance, ils sauront nous indiquer l'endroit exact où Ashdaya s'est montré. Ouais, non, mais ça sort le piège à plein nez, par contre, hein. Nous allons devoir remettre à plus tard notre prochaine excursion dans le néant, je le crains. Ça m'est égal. Ce n'est pas comme si j'avais la moindre raison d'y retourner dans l'immédiat. Oh putain, faire un effort à la gothique, merde. Je vois. Dans ce cas, est-ce que tu veux bien nous attendre à Razatan le temps qu'on... Merde. J'ai appuyé sur la touche Windows sans faire exprès. Sinon, tu viens avec nous, hein, Garlemald. Alors, je peux vous accompagner dans votre enquête. Ça ne me dérange pas, étant donné que j'ai fait bonne chère depuis mon arrivée dans ce monde. Si l'éther d'Ashdaya s'est fait sentir jusqu'ici, il est possible qu'il se trame également des choses du côté du néant. Oui, c'est un piège. Viens avec nous si tu es partante. Bon, c'est le moment de passer un coup de ligne-perle à nos jeunes protégés. J'ai bien fait de garder la mienne au cas où. C'est moi. Oui, ça va. Non, non, il n'y a rien de grave. On aurait juste quelques renseignements à vous demander. D'accord, faisons comme ça. Attendez-nous, on arrive dès que possible.
On s'est donné rendez-vous à la gare de Tertium. Le plus simple est de s'y téléporter, mais ce serait vache de te laisser derrière nous. Et gare le Mald, c'est pas la porte à côté. Je sais me téléporter, moi aussi. Et je connais très bien gare le Mald. C'était le fief de Xenos, je te rappelle. Oui. Mais oui, où avais-je la tête? Je me suis inquiété pour rien, désolé. Bon, on y va dès que tout le monde est prêt. Cap sur la gare de Tertium. Et un coup de barre, excusez-moi. God's Reveal, Land's Tremble. C'est nouveau ça. Donc, je sais que je suis au milieu de cette chronique d'une nouvelle aventure, c'est comme ça qu'ils appellent cet arc. Donc techniquement, ouais, je crois que je suis vraiment à 50% du truc quoi. Allez hop, c'est parti, Estinia. Asdaya était censée être prisonnière de Golbez et de ses spires dans le néant. Voilà ce que son aura est revenue. J'aimerais croire qu'elle est revenue après avoir recherché la serviceur, seulement si sa présence s'est volatilisée aussitôt. Bon, plutôt que de se perdre en conjoncture, il faudrait mieux de se rendre sur place pour en avoir le carnet. En route pour guerre, le mal. Plus précisément la gare de Tertium, où nos chers alliés nous attendent. Rendez-vous à la gare du Nord. Et pas celle de Paris, hein. Parce qu'il n'y a pas les JO à gare le mal dans ce moment, hein. Ah merde, on s'est téléporté comme ça, en mode balai couille, genre, tu m'as même pas me laissé me téléporter. Bon bah, super. Après, dans mon instant, ça m'arrange, ça me fait des frais en moins. Bien, nous voilà au complet. Il ne nous reste plus qu'à attendre nos hôtes. Tiens, des revenants. C'est bon de vous revoir. J'avais peur de vous retrouver transi de froid, mais vous m'avez l'air en grande forme tous les deux. Oui, on s'est habitué aux températures négatives. C'est comme si nos corps retenaient mieux la chaleur qu'avant. Comme quoi? Et donc vous êtes resté au chevet des réfugiés depuis tout ce temps? Oui, même si le spectre de l'apocalypse a disparu. Les gardes maldais vivent toujours dans des conditions plus que difficiles. Les institutions gardes maldaises sont tombées en même temps que leurs dirigeants. Depuis, le peuple est pour ainsi dire livré à lui-même. Malgré tout, on sent que les gens ont envie d'agir pour rebâtir leur pays. C'est cet engagement qu'on essaie de soutenir avec Alfino. Bien sûr, au début, on avait souvent droit à des réactions de rejet de la part des réfugiés. Mais au fil du temps, nos rapports ont évolué, et beaucoup ont fini par changer leur fusil d'épaule. Donc le fusil, le pointe pas vers toi. Merci du compliment. Mais le mérite revient surtout à nos braves collaborateurs, sans qui nous n'aurions jamais pu tenir la distance. À travers la délégation d'Ilzabard, ce sont de grandes quantités de provisions qui nous parviennent chaque jour du monde entier. Vous serez heureux d'apprendre que l'aide internationale est parvenue à enrayer la famine qui sévissait dans la région. Je pourrais également citer les soldats Garlemaldais rassemblés autour de Julius, qui participaient aussi à l'effort de reconstruction. Partout, la solidarité gagne du terrain, au-delà des races et des frontières. Bien sûr. Il reste encore d'innombrables efforts à fournir. Mais nous sommes sur la bonne voie. J'en suis certaine. Bon. Et si vous nous disiez ce qui vous amène exactement? C'est que je commence à être curieuse, d'autant que j'aperçois un nouveau visage parmi vous. C'est une longue histoire, que je vais tenter de vous résumer aussi brièvement que possible. Attendez,
À peine revenu des confins de l'univers, voilà que vous vous attaquez au 13e reflet. Vous tenez pas en place, ma parole. En plus, vous choisissez pas n'importe quelle destination. On est aventurière ou on ne l'est pas. D'accord. Mais alors, il aurait fallu nous prévenir plus tôt. Raa a bien eu le droit de visiter le palais englouti, lui. Je te pardonne, mais il faudrait que tu te rattrapes à un moment ou à un autre. Tu nous dois un voyage à Alfino et à moi. Tout de même, c'est pas un peu risqué de se balader avec l'ancien avatar de Xenos? Si Ashtola et toi pensaient que non, je ne devrais pas avoir à m'inquiéter, mais bon... Ta méfiance est légitime. Cependant, j'apprécierais que tu évites de faire l'amalgame entre Xenos et moi. J'ai la rage au ventre, rien qu'en repensant à tout ce temps où il s'est servi de moi. Finalement, je sens qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Navré de vous interrompre, mais à présent que vous savez tout, j'aimerais aborder la raison de notre venue. Il y a peu de temps, j'ai détecté la signature éthérée de ma sœur Ashdaya. Elle provenait du nord du continent d'Ilzabard, autrement dit, de Garlemald. Je doute que vous l'ayez aperçue, mais auriez-vous par hasard décelé la moindre trace, même infime, de sa présence ? C'est bien possible. Surtout si vous affirmez qu'elle était jusque-là prisonnière du 13e reflet. Pour tout vous dire, ça fait quelques jours qu'on nous signale la présence de créatures du néant dans les parages. Pas des petites, de celles qui pourraient surgir spontanément dans notre monde, mais des grosses et puissantes, en quantité non négligeable. Vous avez une idée de qui pourrait s'amuser à les invoquer ? On en a discuté avec Julius. Il nous a raconté qu'il y a longtemps, des Garlemaldais avaient eux aussi tenté d'exploiter le pouvoir des créatures du néant. Apparemment, ce savoir s'est perdu avec le temps, et plus aucun Garlemaldais ne le maîtrise de nos jours. À moins que certains adeptes soient toujours en vie, ce qui n'est pas totalement impossible. J'imagine que ce n'est pas à la portée de n'importe qui d'invoquer des créatures de haut rang, et encore moins une dragonne ancienne. En effet, ce n'est certainement pas l'œuvre d'un vulgaire plaisantin, ni la conséquence d'un phénomène naturel. Quoique, on pourrait supposer qu'en aspirant l'éther à l'échelle de la planète, la tour de Babil ait provoqué l'élargissement de fissures préexistantes. Mais c'est peu probable. Si je comprends bien, mieux vaut partir du principe qu'il y a bien un coupable derrière ces apparitions. D'abord, nous avons cherché à savoir exactement d'où provenaient les créatures. Selon nos premières observations, la plupart semblent arriver des montagnes, à l'est. Dans ce cas, nous ferions bien de ratisser la zone au plus vite à la recherche de la porte du néant, ou de traces de son ouverture. Le problème, c'est que ces pics enneigés sont extrêmement périlleux à gravir. Et les vents qui les balayent sont d'une telle violence qu'il est inenvisageable de les survoler en aéronef. Quand bien même on parviendrait sur place, les montagnes à l'est, c'est un peu vague. Vous n'auriez pas d'indication plus précise qu'on affine notre périmètre de recherche ? Pas vraiment, mais je connais éventuellement un endroit qu'on pourrait explorer. Il est dit qu'au cœur des montagnes se cache un petit village où résidaient autrefois les fameux invocateurs de créatures du néant.
Vu le sujet qui nous intéresse, c'est la destination qui s'impose, en effet. Si vous êtes d'accord, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de transport. Julius est en mission au camp Brie de Glace. Allons voir ce qu'il a à nous proposer. Allez, c'est parti. Alors, Julius. Hey, aide-nous, s'il te plaît. Alors, tu es aussi de la... Tu es de la partie, toi aussi. Comme d'habitude, tes camarades et toi voyagez en grand comité. Non pas que ça me dérange, au contraire, je suis impressionné par votre capacité à toujours bien vous entourer. N'avoir de te déranger en plein service, Julius, aurais-tu un moment à nous accorder? Nous aurions quelques questions à te poser. Aucun problème, j'ai justement de transmettre mon dernier rapport. Est-ce à propos de la recrudescence des créatures du néant? Oui, et notamment celles qui ont débarqué en nombre depuis les montagnes à l'est. Je comprends qu'il y avait autrefois là-bas un village peuplé d'invocateurs de créatures du néant. C'est exact, il était situé sur le mont Albus, au fond d'une grotte baptisée Lapis Manalis. On raconte que ses habitants étaient armés de grandes faux, et qu'ils pactisaient avec les démons en échange de leur pouvoir. Ils ont même été jadis meilleurs tout de garde-maldés face aux ennemis venus envahir leur terre. Seulement, leur art tomba en désuétude avec l'essor de la technologie Magitech. Dans les espoirs de cause, certains auraient alors fomenté une rébellion contre l'Empire, déclenchant une purge à leur encontre. Il ne reste probablement plus rien de leur hameau aujourd'hui, si ce n'est que des ruines. Je pense pas, je pense qu'il y a toujours une secte dans le coin. Pour tout vous expliquer, nous sommes à la recherche de ma sœur aînée, qui a été capturée par des créatures du néant. Leur présence dans les parages laisse à penser que nous sommes sur la bonne piste. À présent, nous allons poursuivre notre enquête dans cette fameuse grotte de Lapis Manalis. Plus facile à dire qu'à faire, le manteau neigeux est extrêmement épais là-bas, sans parler des bourrasques qui soufflent en permanence. Impossible de s'y rendre à pied, ni même en aéronef. Avec une autoneige Magitech, vous pourriez y parvenir. Hélas, elles ont toutes été détruites durant la guerre civile, sauf une dont le moteur à Ceruleum est en panne. Elle est toujours stationnée à Cerulea Ingens. Je ne dis pas de bêtises. On pourrait pas la faire réparer. Au repère des seigneurs, peut-être. Là-bas, d'anciens ouvriers qui étaient autrefois chargés de l'acheminement du Ceruleum depuis la plateforme Jules Tourna G. Le transport s'effectue en autoneige, j'imagine qu'ils ont déjà eu à régler quelques pannes. Mais oui, je parie que ce sont d'excellents mécanos. En plus, ils me connaissent bien là-bas, je suis allé plusieurs fois leur livrer de la nourriture, alors ils m'en doivent une. Je vais leur rendre visite de spa. Alizée, tu veux bien... Altia, tu veux bien accompagner Alizée? Je ne veux pas qu'elle y aille seule et toutes ces créatures du néant qui rôdent dans les environs. Pour l'instant, vous pouvez peut-être nous en dire davantage sur le mont Albus. On n'est jamais trop bien renseigné au vu de ce qui nous attend. Bien sûr, dans ce cas, je vous invite à poursuivre cette conversation à l'intérieur de nos bâtiments. J'en profiterai pour vous présenter nos experts en géographie. Excusez-moi, Alizée, c'est ça. J'aurais une question à te poser. Ah oui? Bien, dans ce cas, tu n'as qu'à venir avec nous au repère des seigneurs. On discutera en chemin.
Alors. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander ? Ton frère et toi, qu'est-ce qui vous motive à aider les habitants de cette région ? Qu'avez-vous à gagner à tendre la main aux plus vulnérables ? Ce qu'on a à gagner ? Vous ne recevez d'ordre de personne et n'avez aucune obligation officielle à ce que je sache. Alors pourquoi endosser délibérément un tel fardeau ? Vu ton air insistant, je m'attendais à tout autre chose. Pour ma part, la réponse coule de source. Si je viens en aide à tous ces gens, c'est parce que j'en ai envie, tout simplement. Ça ne répond pas à ma question. Je te demande l'intérêt concret de ta démarche. Bah, il y en a pas. C'est ça le problème. Que veux-tu que je te dise ? Je suis du genre à suivre mes envies, c'est comme ça. Pour ce que j'ai à y gagner, j'y pense rarement. Ou alors seulement après coup. C'est tout ce que tu voulais savoir ? Dans ce cas, attends pas. D'accord. Aider les autres par simple envie, même sans contrepartie. Peut-on vraiment survivre en agissant de la sorte ? Dans ce monde, qui sait ? On va se remettre en route, mais avant ça... Zéro, est-ce que ça va ? Tu m'as l'air bien pensé, je dis quelque chose de mal. Non, je réfléchis à notre étanche, c'est tout, ne vous arrêtez pas pour moi. D'accord, voilà qui me rassure. Le repère des seigneurs est dans la grotte un peu plus loin. La dernière fois que j'y étais, j'ai vu un grand monsieur sur mon ingénieur réparer un poil au sérum. Il y a peu de chance, il sera encore. Je te reconnais, t'es la nana qui a estourbi nos gardes la dernière fois. Après votre départ, les gars de la délégation des Zabar nous ont pris sous leurs ailes. Ils nous ont rendu la vie bien plus facile pour sûr. Le plus beau, c'est qu'ils ont respecté notre volonté. En gros, ils ont offert leur protection à ceux qui voulaient retourner à la capitale et un soutien logistique à ceux qui, comme nous, voulaient rester. Et la petite Alizé, si présente, qui passe régulièrement nous voir, les bras chargés de vivre. Entre nous, elle est bien gentille, mademoiselle, mais je voudrais pas qu'elle attrape foi sur cette grande partie noire. Mais non, je vais très bien. Ça me fait un plaisir de vous aider. D'ailleurs, c'est moi qui aurais un service à vous demander aujourd'hui. En fait, on aurait besoin d'une autonèche. Apparemment, il en reste une au Cerulea Ingens. Sauf qu'elle est en panne. Est-ce que par hasard, vous pourriez nous la réparer ? Alors, vous voulez que je retape un mammouth ? C'est comme ça qu'on appelle les autonèches entre nous. C'est que ça ressemble à des gros bestiaux, ces engins-là. Les autres et moi, on les connaît bien. On s'en servait tous les jours à la plateforme du tournage. La vôtre n'a pas trop souffert, je devrais pouvoir la remettre en marche. Surtout si c'est notre petite princesse qui nous le demande. Si vous êtes un amour dans ce cas... Je vous propose de nous suivre jusqu'au Cambre du Glace. Vous pouvez donner vos instructions à nos bénévoles sur place. Là, le Fino qui va être content en route. Voilà de retour.
Cette personne est notre mécanicien, je présume. Je ferai de mon mieux, même si je garantirai. Par contre, le mammouth est massif. Je veux dire par là qu'il va falloir des gros bras pour m'aider à manipuler les pièces détachées de tout ça. On s'y colle, ce sera toujours plus stimulant que de rester là sans nous tourner les pouces. C'est où alors? Avez-vous pu vous renseigner sur mon Albus? Oui, nous avons à présent une idée précise de la géographie des environs. On nous a également indiqué l'endroit exact où le tonnage a été abandonné. Mes bras ne sont pas bien grosses, mais je resterai à vos côtés pour vous défendre contre d'éventuelles créatures du néant. Merci pour votre coopération, je vous en prie, conduisez-moi donc à ce fameux mammouth. Il ne reste plus qu'à reprendre notre routine habituelle en attendant que les réparations soient terminées. Puisque tu es là, que dirais-tu d'y participer? Et toi, Zéro, qu'est-ce que tu comptes faire? Vas-y, prends encore plus ton temps, hein, je dirai rien. Puisque tu as gracieusement répondu à ma question, je veux bien me mettre à ton service quelque temps. Voilà, on peut dire que t'es une personne intègre, limite un peu trop, blague à part, ton aide est la bienvenue. Altia Zero, merci d'avoir accepté de vous joindre à nous. Voici comment vous pourriez vous rendre utile. C'est ici, dans le camp Brutgas, que Renef de la navigation d'Elisabeth décharge leur caisse de provisions. On y trouve de tout, des vivres, des objets de quotidien, des médicaments, etc. Une partie doit être acheminée à la gare de Tertium. C'est là que nous entrons en jeu. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait se dévouer avec moi à cette tâche? Moi, ça me convient. Pour l'instant, tu n'as qu'à m'accompagner dans ma ronde. Vu comment ça grouille de monde, ces derniers temps, on ne sera pas trop de deux pour sécuriser mon envie. Allons faire un tour vers le champ de glace des Blana. Je suis pas un putain de germain, moi. Alors, je me fais inviter par des CL, c'est des Allemands, quoi. Rien à péter, quoi. Je parle... Ich spreche nicht Deutsch, hein. L'autre jour, on a signalé des créatures du néant par ici. Pas très rassurant, sachant qu'on est à quelques encablures du camp. On le voit de là où on est. Bon, je vais jeter un œil au nord. Toi, suis ce chemin vers l'est. Si tu croises des monts, surtout, ne m'attends pas. Montre-leur de quel bois tu te chauffes. Je me fais aggro par une merde en plus. Allez, dégage de là, toi.
C'était la dernière de mon côté. Décidément, le froid est toujours aussi mordant par ici. À la gare de Tertium et au Cambris de glace, les gens peuvent au moins s'abriter de ce vent glacial. Mais il n'empêche qu'ils ne tiendront pas indéfiniment dans ces conditions. Ce qu'il leur faut, c'est un environnement chaud et hospitalier, où ils pourraient même se passer de notre aide. Comme l'a dit Julius, nous devons leur offrir à nouveau un foyer digne de ce nom. Mais ça, c'est les terres historiques de Garlemald, non ? Évidemment. Quoi qu'on fasse, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais j'ai le sentiment qu'avec un nouveau chez eux, les Garlemaldais seraient enfin en mesure d'accepter leur passé et de se tourner définitivement vers l'avenir. Nous avons la chance de pouvoir agir. Alors nous devons redoubler d'efforts pour que cet espoir devienne réalité. Oh. Faut pas me jeter des fleurs comme ça. Je fais que suivre mon instinct, rien de plus. Enfin, ça fait toujours plaisir à entendre. Bon, on en a fini avec les créatures du coin. C'est l'heure de rentrer à la gare de Tertium. J'espère qu'Alfino et Zéro sont arrivés là-bas sans encombre. J'ai encore du mal à croire qu'il s'agit de l'ancien avatar de Zenos. Fraîchement débarquée du néant, qui plus est. J'imagine qu'elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Enfin, je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Merci. Ça faisait une éternité que je n'avais pas entendu ce mot. Alfino, ma femme a de la fièvre aujourd'hui. Tu veux bien venir l'examiner ? Bien sûr. Je viens tout de suite. Désolé, j'ai une urgence. Je peux te confier la suite ? Pas de problème. Je devrais pouvoir me débrouiller. C'est généreux de ta part de nous aider. Tu t'appelles Zéro, c'est ça ? Tu es ami avec Alfino et les autres ? Amis ? Tu veux savoir si nous sommes unis par un intérêt commun ? Quoi ? Non, pas du tout. Je me demandais simplement si tu avais travaillé avec eux, ou plus généralement, si vous vous connaissiez depuis longtemps. Dans ce cas, la réponse est non. Je n'ai pas d'amis. Je n'en ai jamais eu et n'en aurai jamais. J'ai dit quelque chose d'étrange ?
Non, je vois tout à fait où tu veux en venir. La première fois qu'Alfino et ses alliés ont débarqué, tous les gens d'ici se sont montrés hostiles à leur égard. Moi le premier. Ils avaient beau afficher les meilleures intentions au monde, tout nous séparait. Nos pays, nos races, nos mentalités, sans parler de notre rancœur historique. Pactiser avec eux revenait à nous humilier. Alors, nous les avons rudoyés. Malgré cela, ils n'ont jamais cessé d'être à l'écoute de nos griefs et de nos demandes. Les connaissant, je me dis que même une personne solitaire comme toi pourrait finir par apprécier leur compagnie. Ça, je n'en sais rien. Je suis ici parce que nous avons passé un marché et qu'il est naturel pour moi de l'honorer. Pas parce que j'apprécie leur compagnie. L'un n'empêche pas l'autre. Oh, j'allais oublier ce pourquoi je suis venu. Tu dois avoir faim, non? Les vivres sont pour les civils en priorité, mais nous avons également droit à notre part. Et ça vaut aussi pour les bénévoles comme toi. Alors n'hésite pas à te servir si tu as un petit creux. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que mon éther est légèrement en berne. Je veux bien le recharger. Tiens, de la part de la délégation d'Ilzabard. Ça vient de la steppe d'Azim. Ça s'appelle un boz de mémoire. C'est comme une sorte de pirojki cuit à la vapeur. Un pirojki, c'est une petite brioche cuite au four ou frite, garnie de viande et de légumes. On en déguste dans toutes les familles garlemaldaises. Ma mère en préparait souvent. Je me souviens que mon frère et ma sœur raffolaient de se fourrer à la confiture. Pourquoi je te raconte ça, moi? Bref, tout ça pour dire que ce sont des brioches, tout ce qu'il y a de plus comestible. J'ignore si c'est pour des questions de conservation, mais elles sont très fortement épicées. Trop pour les enfants, même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous les a données. C'est... trop piquant pour toi? Je ne sais plus très bien reconnaître les goûts, mais j'admets que cette brioche possède une saveur particulière. Désagréable, tu veux dire? Non, au contraire. Tant mieux alors. Le goût épicé est une douleur avant d'être une saveur, paraît-il. Mais il a au moins l'avantage d'être facilement reconnaissable. Ah, Julius. Tu es de retour, toi aussi? Vous étiez en train de briser la glace, Zéro et toi? Oui. Oui, on peut dire ça. C'est bien. Il faut un début à tout. Merci à toutes les deux pour votre travail. Et à toi aussi, Zéro. J'en ai à peu près terminé de mon côté également. Nous allons pouvoir nous mettre en route pour rejoindre Estinia et les autres. Alfino, Alizé, c'est terrible!
Bon, beaucoup de cinématiques, mais bon. On avance. On avance, tranquillement, mais sûrement. Écoutez, je vois qu'on est déjà, qu'on est à 2h50 de live, ça veut dire que l'épisode, il doit faire dans les 45 à 50 minutes réglementaires. Donc ça veut dire qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode, et je vous dis à plus pour le prochain épisode. Tchuss!